C'est une avancée, je trouve, à la fois pour consolider le CESE dans son rôle d'expression de la société civile organisée, au travers de l'article 6 qui vise à y concentrer l'ensemble des consultations publiques, d'une certaine façon, en respectant évidemment les consultations classiques qui peuvent se faire en dehors du CESE. Puis la deuxième avancée, très significative, c'est société civile organisée et participation citoyenne. C'est de faire du CESE le lieu où pourra s'exprimer dans un cadre organisé le débat autour de la participation citoyenne avec des citoyens. On l'a vu sur la convention sur le climat, la convention citoyenne sur le climat. Et donc c'est un endroit, d'ailleurs on en avait parlé au moment de la révision constitutionnelle de 2018, la volonté de faire du CESE l'endroit où pouvaient à la fois se retrouver les socioprofessionnels, les représentants du monde de la société civile organisée, mais aussi des citoyens qui peuvent avoir tel ou tel, sur lesquels on peut solliciter les citoyens sur tel ou tel sujet.